Jean-Jacques, je crois qu'on va y aller, hein. T'as une réunion demain matin. T'as que la camionnette, chérie. Je sais pas, moi j'ai que la cave. Ah bon? Bon, on y va, hein. Oh, Sophie, on a passé une soirée, mais extra, hein. En tout cas, bravo pour votre maison, hein. Vous en avez tiré un parti formidable, hein. Ça s'appelle des spots, les trucs que vous avez mis au plafond là-haut. Ah, ouais. Ah, c'est ça qu'on appelle des spots. La dernière fois qu'on est venu, il n'y avait qu'une ampoule. Hein. Ça change complètement l'ambiance de la... Oh, Sophie, surtout, tu vas en train de donner la recette de ta mousse au chocolat, hein, sans blague. Hein. Et vous embrasserez Ricardo et Claudia pour nous. Non, 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 non. Ne les dérange pas, ils sont en pleine discussion tous les deux. On était enchantés de les connaître. Hein. Allez, on s'appelle, hein. Oh, Jean-Jacques, il fait que de la camionnette. Je dis que je sais pas, moi. Comment? Oui, on s'appelle. Non, pas l'an prochain, on est pris tous les soirs. Oh, Jean-Jacques, tu vas me dire que tu les as pas, les clés. Moi, je sais pas. On y va. Ah, je suis crevée. Ah, mais la dame, chérie, je te jure que je suis pas cédée à me coucher. Hein. Pardon. Ah, dis donc, j'ai cru que ça finirait jamais. Sophie, elle a vieilli, hein. Puis elle est grosse en plus. Sophie, de là. On dirait Guy Carlier. Ah, pardon. Ah, c'est cette mousse au chocolat. Ah, qu'est-ce qu'elle était aigre. Ah, à mon avis, elle a dû prendre du violet. Ah, vraiment, elle n'est pas fortiche. Oh, je t'aurais présenté une mousse comme ça, moi. Même au camping, tu me la foutais sur la figure que t'aurais pas eu peur. Les scoops d'Italien. Non, mais quelle idée elle a eu de nous inviter avec des cons pareils. Ah, la chic pour dégoter de ces crétins. Même hors de France, hein. Et lui, quelle lopette. Cette espèce d'asperge couverte de furon. À mon avis, il a une blénot, lui. Il pue. Ah, je te dis, j'étais assise à côté de lui à table. Ah, puis quand ils ont passé le film, leur... Ah, pardon. Ah, c'est cette mousse. Ah, ralentis un peu, Jean-Jacques, s'il te plaît. Fais une chaleur dans cette saloperie de bagnole. Tu peux ouvrir la fenêtre deux secondes. Mais ouvre pas la fenêtre en grand, t'es malade, il fait moins zéro. Ah. Quand ils ont passé les films de leur gosse, je crois que ça a été le bouquet. Effrayant, leur fils. On dirait un cochon. Un même pecho. Mr. Piggy. Oh, excuse-moi, c'est nerveux. Ah, vous allez être chaud avec cette saloperie de chauffage par le sol. J'ai les jambes gonflées. Tiens, regarde, j'arrive même plus à enlever mes moon boots. Quoi? Tu trouves que mes jambes sont comme d'habitude? Tu regardes quoi? T'as pas vu ta tronche à toi par hasard? Mais qu'est-ce qu'il y a, Jean-Jacques? T'es vexé parce que je dis que Sophie est vraiment moche et que c'est ta sœur? Écoute, Jean-Jacques, je vais te dire, quand on voit la tronche de ton père et de ta mère, franchement, Sophie, elle s'en tire pas mal. J'aurais pu être bien pire. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Jacques? Pourquoi tu t'énerves tout le temps comme ça? J'ai rien dit de spécial.